Coucou tout le monde, c'est TutoPratix. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment atténuer le regard sur une personne, sur une photo bien entendu, et donc l'outil, le bonus, donc rajouter un effet de lumière. Alors en premier, on va aller, donc là j'utilise Photoshop CC, donc à mon avis, je crois que j'utilise Photoshop CC, oui, j'utilise Photoshop CC, donc je sais pas si l'effet de la lumière sera disponible sur les autres versions, vous verrez. Donc, je vais vous montrer comment donc atténuer le regard. Donc, tout simplement, vous cliquerez sur cette petite icône ici. Vous restez appuyé, vous cliquez sur outil densité. Ensuite, vous allez tout simplement aller faire un zoom sur l'œil. Ici. Et on va prendre donc cet outil. Et on va repasser dessus une fois, parce que sinon après, ça fait un petit peu trop peut-être. Voilà. Comme ceci. Et là, on va passer quand même ici, là. Vous voyez, sur le maquillage qu'il y a, vous voyez que ça fait ressortir le maquillage. Hop. On va lui faire ressortir les rides. Hein. Hop, là, voilà. Donc, hop. Voilà, la coupe de... Enfin, l'épilation de ces cils-là. Vous voyez, on va donner l'impression qu'ils sont un peu plus... qu'ils sont, en fait, voilà. On a l'impression que c'est de la peau, en fait. Voilà, hop. Ensuite, on va là, dans cet œil, donc on voit la différence avec ces deux œils quand même. Hein. On voit qu'il y a une différence. Donc ici, je vais bien repasser sur le maquillage. Pour que le maquillage se voie bien. Et là, ici, je vais repasser. Je vais faire exactement la même chose. Repasser dessus. Donc là, j'atténue exactement un regard. Ici, je vais faire un tout petit truc. Voilà, pour repasser sur le petit truc ici, là. Voilà, vous voyez, donc là... voilà. Donc, hop, ouais, il y en a peut-être qui est plus foncé que l'autre, ou je sais pas trop. Donc, je reprends l'outil et je fais taille grand. Voilà. J'aurais dû faire un double casque pour qu'on voit la différence des deux, mais je peux pas. Mais j'ai sur mon bureau, donc je vais vous montrer la photo sans traficage. Voilà la photo sans traficage et voilà la photo. Voilà. Avec traficage. Faudrait que j'arrive à... Voilà, hop. Non, il y a une différence. Alors si vous regardez les yeux, déjà sont beaucoup plus clairs. Hein, faut bien le voir. Et puis voilà, si on met les photos en superposition, à mon avis, on peut très bien le voir. Ensuite, hop, ici, le maquillage qui est là. Là il est comme ça, et là il est beaucoup plus clair. Mais il ne se voit pas parce que si c'est trop flagrant, après ça fait trop dessin et c'est pas joli. Donc voilà. Hop. Ensuite l'effet lumière. Donc je sais pas si c'est que sur Photoshop CC. Voilà, donc vous allez dans filtre. Ensuite vous allez dans... Dès que je me souvienne. Voilà, dans rendu. Ah non, je crois pas que vous l'avez. Que vous voulez dans les Photoshop CS6, mais bon, si vous l'avez, tant mieux. Allô, allô, voilà. Et là, voilà, ça sera un petit, vous avez un petit effet là avec des petits ronds, là, vous voyez. L'effet lumière, moi, je vais le mettre là. Ensuite, je vais juste atténuer la luminosité pour me donner un meilleur effet à la photo. Juste baisser juste un petit peu. Hop, voilà. Voilà, vous voyez, ça fait un petit effet de lumière là et ça fait donc les petites ondes ici qui sont pas mal. Donc ça donne un petit effet à la photo. La lumière, après, vous pouvez la mettre ici, vous pouvez la mettre vraiment où vous voulez. Voilà, donc
Bah écoutez, bah, et c'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a été pratique, que vous avez réussi à bien pratiquer ce logiciel. Puis voilà, donc je vous dis à plus tard dans un prochain tutoriel. Merci de vous abonner à ma chaîne, de commenter les vidéos, de voter les vidéos et de partager les vidéos dans les réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Ciao, ciao les gens.